Eh bien bonjour à tous les amis, c'est DarkAngel1462, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous allons frissonner avec la deuxième partie d'Alien Isolation. Donc rappelez-vous, on a vu l'alien, on a passé le prologue, tout, on a tout fait, voilà la première partie durait 1 h 30, et là on rentre dans le vif du sujet, donc on est chez les robots, les synthétiques, et nous dirigeons toujours vers le centre de communication, où nous avons récupéré de quoi pirater les portes, bien sûr. Nous avons récupéré un pistolet qui ne servira à rien forcément contre l'alien. Et quelques matos, des bombes, etc. pour crafter. Donc voilà, on reprend là où on était la dernière fois. C'est parti. Peut-être augmenter mon son, parce qu'on va frissonner maintenant. Ah, les petits casiers, ça c'est pratique, c'est bien aussi, ça on peut se cacher. Hop. Allons-y, pétons tout ça. Voilà, je vais me dire, c'est quand tu veux. Alors, ici, qu'avons-nous ici? Alors, ici, c'est des douches. Y'a rien à ramasser là? Ah, si, y'a un agent collant. Ça, c'est cool. Les points situés. Ah bah oui, ils mettent quand même. Donc voilà, l'objectif c'est le. Vous voyez le carré là? Enfin le carré, le trait là qui bouge autour du radar. C'est l'objectif. En gros, ça vous aide quand même. C'est vrai qu'on peut s'y percevoir. Ah bien, émetteur de son, magnifique. Alors ça, dès que je peux le créer. Attendez. Éthanol. Attendez, on va se poser tranquille, on va créer des choses. Qu'est-ce que j'ai en matos? On voit pas là ce que j'ai? Un émetteur de son, attendez. Ah bien, j'ai ce qu'il me faut. Bien, par contre j'ai de l'éthanol à gogo et j'ai de l'agent collant. On va fabriquer des choses, hein. Medikit. J'avais jamais un agent collant, zut. On va se créer un deuxième medikit, c'est pas grave, on est bien, on est bien. Éthanol, qu'est-ce que je peux créer avec? Des bombes. Bah, je vais déjà le positionner dessus, l'agent collant aussi. Ça si j'en récupère, je peux déjà. Stocker, l'agent collant pareil, on va le restocker, l'amorce aussi. Voilà, c'est pas grave, il manquera juste un élément pour recréer. C'est pas un souci du tout. Alors se maintenir, et bah, ok. Je reviens où là? J'ai entendu bip sur radar. Bip. Ah d'accord, en fait j'ai juste fait le tour, voilà. Je suis arrivé là. Bah écoute, on a fouillé la zone au moins. Ah, il faut une carte. Là je vois qu'il faut une carte parce que c'est rouge. Ah utiliser, oui, hein. Vas-y, vas-y. Joli. Pack de recharge et fumigène. Pénétrez actuellement dans une zone interdite. Faites demi-tour. Laissez-moi passer. Je dois contacter mon vaisseau. Navré, je ne peux pas vous laisser faire. Ripley Amanda, vous êtes désormais connecté à Apollo. Bienvenue sur la station Sébastopol. Forcément un autre chemin. Ah oui, c'était bien ça. Comment elle rentre dans le mur? Boum, 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 si je pouvais. Bon, je cherche pas le chemin, il est là-bas. Mais le problème, c'est qu'apparemment, on est dans une zone interdite. Donc on va s'éclater. Ah, c'est vrai que c'est pas pareil. Je pensais que c'était encore la même chose. Yes! C'est vrai qu'il y avait plusieurs jeux comme ça. On a intérêt de faire très attention maintenant. Pile de lampe, super. Quoi?
Pack de recharge, je suis full. Y'a rien que je peux créer qu'un pack de recharge là-dedans? Bah non, y'a rien que je peux créer. Ouais, je suis full. Ah non, attendez. Non, je l'ai pas. L'émetteur de son, on va refaire un. Ah oui, bien. Donc forcément, vous avez compris ce qui est gris. Par exemple, comme là, alors rouge, ça veut dire qu'il manque un élément. Ce qui est blanc, c'est ce que j'ai déjà installé. Et ce qui est gris, par exemple ici, voilà, c'est ce que je n'ai pas encore mis, mais que je possède. Émetteur de son, ça va être pratique, ça. Quand on voit que dalle. Petite lampe. Laissez-moi passer. C'est moi, Hughes. Vous me reconnaissez pas ou quoi? Écoutez-moi, il faut absolument que je rétablisse les communications longue portée. Vous montrez des signes d'hystérie. Reculez, je vous préviens. Allons, trouvons une solution à la diable. Oh putain. Si tu le dis. Ok. On voit bien que les synthétiques ont pété un plomb. Et je vais où moi? Par là. Je devrais y être, voilà. Ah! Ah oui. Ça faut faire attention parce qu'on peut se repérer. On peut se faire repérer. C'est pareil, ça a été repris des films aliens. Ça va falloir que je le pirate. C'est quoi la porte là-bas? Elle est libre d'accès. Mais je risque de me faire repérer. Bon. C'est pas l'alien, mais c'est les synthétiques, donc on va commencer à s'éclater là. Fumigène, je suis full. J'ai du fumigène. Ah, j'en ai combien? 6. Là-bas, faut un code. Je suis pas équipé. Il y en a un là-bas de synthétique, tout en haut là. Alors, ça, message envoyé. L'autre, c'est quoi? Erreur et rien. Que dalle non plus. Alors, en fait, on est reparti pour une bonne heure. Hein. Vu que c'est un long let's play, on va faire des grosses parties quand même. On va faire des demi-heures. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Prenez le popcorn, le coca. Et ça ira. Ah, c'est celui qui voulait me refuser de me laisser passer tout à l'heure, ça. Me casse des pères. Y'en a un qui arrive. Il fait quoi? Il arrive ou pas? Bon, on va faire attention. Non, mon radar déconne quand même, je trouve, non? J'arrive au fond. Ça, c'est... Attendez, c'est juste que je sens pas comme j'ai désactivé le truc. Non, c'est bon. Le service d'Adelio
Alors, je vous l'expliquais, c'est moi qui floue le truc, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, la caméra, j'ai désactivé, c'est bon. Voilà. Nous allons vers le centre de communication. C'est beau. Hub central des communications. Accès réservé aux employés de Sixon. Ouais, si tu le dis. J'avais le temps d'attendre. J'avais pas vu qu'il y avait une porte derrière. Ah oui, ce fameux passage. Voilà. Y'a Verlaine, les gars, y'a Verlaine. Ça, c'est ce qu'on avait entendu au début. Avec Verlaine, quand il communique avec Waits. Ok. Ok, en gros, il dit que ses communications sont totalement mortes et tout. Il faut les aider. Je peux toujours rien crafter là ? Attendez, si. On va se refaire un émetteur de son alors. Faut se crafter dès le début, les gars. Pas rigoler avec ça. Ok, un conduit. Là, je suis au-dessus de tout. Désactivé sur ordre d'Apollo. Poste hors ligne. Toutes les communications sont suspendues. Super, il manquait plus que ça. Les communications internes sont ouvertes sur certaines fréquences. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. Donc bloqué par Apollo. Donc Apollo, c'est bah, forcément, je vous l'ai dit, c'est maman, c'est l'équivalent de maman. Bon, Alien 1. Alors les aliens, si vous aimez les jeux, j'ai fait pas mal hein, de jeux Alien. Donc regardez bien à la fin des vidéos. Alors une fois vous tapez dans le moteur de recherche YouTube, hein, ou alors je vous les mets à la fin souvent de mes vidéos. Les 10 dernières secondes, je vais mettre différents sur différentes vidéos Alien. Je vous mettrai un peu tout ce que j'ai fait. Faut voir. Sinon, je cherchais directement, hein, j'en ai fait pas mal. Pardon. Ah oui, oui, voilà. Donc, ça, il vous dit en fait, si vous faites ça, c'est pour concentrer la vue au loin. Ah, ouf, pardon. Alors. On essaie de passer. Camelot, ça c'est bien. Ok.
marrant, tu fais ta ronde. Merde, je suis repéré. Quoi? Il peut m'avoir de là? Oh non. Mais non. Là, j'avais jamais... Putain, mais c'est en mode difficile, c'est pas possible. J'en expert, les gars. T'avais l'autre, les coups de pied, il y a un pied de long de 10 mètres, quoi. Vite, vite, on va courir, tant pis. On est repéré. À droite. Merde, je suis repéré. On va se cacher. Ah, c'est Samuels. Samuels. Un truc. Ça ferme pas la porte. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Vite, vite, vite. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un voilà. M'entend, putain! Mais il m'a fait flipper! Toujours le bouton, ça va pas aller. Non, j'étais couché. Tu rigoles. C'est où? C'est là-bas, vite. Putain, il me lâche pas lui. Hein. Ah, il m'en veut. Voilà. Ah, c'est mort. Quitte. Bon, je vais me le faire. Il m'a saoulé. Oh! Recharge, recharge, recharge. Attends, je vais me mettre là au fond. J'ai le temps de l'aligner. Quoi? Ah putain, recharge. Non, d'accord, faut que je maintienne le bouton. Sinon, on recharge pas tout. Tu vas mourir. Salope synthétique. Oh, même pas. J'espère ne pas en avoir 10 sur le dos après quoi. Je suis là, je suis là.
putain. Tu l'as pas vu celle-là, salaud. La recharge, ça me fait. Punaise. Ah détecteur, je peux crafter un truc. Attendez. Il me faudrait des medikits surtout là. Aveuglante, allez. On se craft à mort. Bon, fouillons la zone. Déjà, y a pas l'air d'avoir de synthétique dans le coin. Je veux juste voir si j'ai du matos dans le coin là. Établir le courant. Pas l'air d'avoir des trucs là. Bon, hein. Oh, on avance. Alors, utiliser 1 et 1 pour établir les valeurs. Ok, c'est 34, 39. C'est ça ? Allez, les 3 à faire, ok. 1. Faut que je coche tout ce qui est blanc en fait. 2. 3, 4, dernier. Appuyez sur les données correspondantes au circuit actif. Ah d'accord, j'ai compris. Voilà. Ouf. Samuels, vous êtes vivant, ici Ripley. Ripley, quelle heure c'est Ripley? On s'inquiétait, on pensait... J'en suis sorti, où êtes-vous? Nous sommes actuellement dans une gare de transit, à côté du centre de soins. Entendu. Samuels, écoutez-moi. Vous êtes pas à l'abri ici. Cet endroit a été barricadé par Sixon. Leurs putains d'androïdes sont en train de faire un massacre. C'est impossible. C'est contraire à toute la programmation de synthétique primaire. Messieurs, Samuels, je suppose que Sixon a une conception différente des synthétiques. Et il y a autre chose. Une créature énorme et meurtrière. Ripley, calmez-vous. Quelle créature? Une forme de vie, une espèce inconnue. Une sorte d'organisme alien. C'est extrêmement dangereux. Taylor est... Ripley, Taylor est blessée. Elle a été frappée par des débris lors de la traversée. Quel est son état? Je ne peux pas la déplacer. Il me faut du matériel de soins. Il faut absolument qu'on nettoie et qu'on soigne les blessures. La radio vient de nous lâcher. Impossible de contacter Verlaine. On est tout seul. Oh merde. D'accord. J'arrive. Je vais vous envoyer une voiture de transit. Il y a un moment, les dialogues, ils ont accéléré, là. Communication non autorisée. Veuillez patienter. Merde. Barrons-nous. Voilà, c'était sûr, je me doutais qu'ils arriveraient. Non. Merde, il m'a déjà repéré. Oh mais non, ils sont partout. Un coche. Non, t'as pas pu me choper. Mais non! Putain, merde! J'arrivais pas à utiliser mon arme! J'appuie sur le mauvais bouton! Bon, on accélère. Je sais où c'est maintenant. Ça, on va foncer. Hein. Mais là, il y avait rien de spécial, donc
Ah, je suis dégoûté, putain, j'y étais en plus. On aurait pu passer à la prochaine phase. Allez, on va foncer un peu. C'est que des synthétiques. Il doit y avoir un moyen de contacter quelqu'un de la station. On se prépare à faire des soins quand même. Hein. Ah! Mais tu es sérieux, toi? Ah, c'est Jackie Chan le machin là. Mais t'es en train de courir, tu rigoles? C'était où déjà? C'est par là. Et deux au cul. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Merde! Je cherche à entrer. Oh là! Qu'est-ce qu'il me fait lui? Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons. T'es sérieux toi? Je répète, nous avons besoin d'aide de tout. Mais non! Répondez, je vous en prie. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, oh, nous avons besoin d'aide. Oh, ils sont deux. Je répète. Nous avons besoin d'aide. 3 d'urgence. Répondez, je vous en prie. Faut que je les sème autrement. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, là, nous pas y avons aller. Besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Allô? Non. Me reçoit? Non. Je vais encore mourir, c'est pas possible. Mais non, bah je suis foutu là en fait, je suis bloqué. Hein. Bon, faut que je me les fasse, tant pis. Hein. On va gaspiller. Hein. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Ils sont trop forts là. Nous avons besoin d'aide, d'urgence. Répondez, je vous en prie. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Ah, ils sont affreux, en plus ils mettent des pompes à mourir. Oh là. Non! Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Oh, c'est affreux. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Putain. Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Ça va être affreux. Mais alors? On va se les faire, hein, tant pis. Hein. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Comme on peut. Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin ah d'aide de tout. Non! T'es sérieux? Je vous en prie. Non! Allô? Est-ce que quelqu'un oh me reçoit? Ils sont trop forts en mode expert! Nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Si je vais là-bas, y'a quoi? Oh! Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide.
appelle. Nous avons besoin d'aide. Ils font salut. Répondez, je vous en prie. Non. Mais allez. Allô. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin. Je crée des mines. Je répète. Oh, j'ai pas ce qu'il faut. De toute urgence. Répondez, je vous en prie. Ils sont affreux. Allô. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez, je vous en prie. Allô. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, non. Nous avons besoin d'aide. Je répète. Ils sont affreux, mais non. Fermé. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Si quelqu'un m'entend, nous avons besoin d'aide. Je répète, nous avons besoin d'aide de toute urgence. Répondez. Non, non, mais je veux pas ouvrir la porte en plus. Oh, je suis un peu bloqué là. Et si je vais là, ça rejoint où? Voilà, de s'être dispersé. Ouais, elle est comme ça, tant pis hein. Mais non! Le bouton n'a pas marché. Hop, attendez juste un instant, j'ai un souci maintenant. Oh sérieux!
que c'est bon. Alors, on a qui là? C'est bon, alors est-ce que ça marche le son? Salut Pelipe Grando, oui, ce jeu je l'ai fini un paquet de fois, c'est une horreur. Je confirme, par moment ça peut être une horreur. Là actuellement c'est mon cas. On va les flasher, hein. J'espère que ça marche. Hop, le dernier, parfait. Oh punaise. Ok, de deux. Ah, c'est le même. Oh là. Allez, on va passer la cinématique qu'on a déjà vue, bien sûr. Samuel. Donc, faut qu'on les rejoigne. On va se dépêcher. Mais cache-toi! On va les laisser passer. Et on va courir. Mais non! C'est bon. On va courir. Je sais plus où c'était, c'est par là. Non! Pète! Oh, c'est efficace, hein. Oh, je suis perdu. C'est derrière. Le problème c'est que j'ai plus de soins. Communication centrale. Accès réservé. Envoyez le visiteur. Les visiteurs doivent se présenter à la réception. Vite, vite, vite. Ouh, la chance! La chance! Je l'ai flashé! Oh là 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 là! Il y avait aussi des. Oh, il y en avait là aussi! J'ai pas de sauvegarde là? Il va y avoir une save dans le coin là. Ah, faut que je reparte au début quoi. C'est bon, ennemi proche mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Faut qu'on retourne à la gare de transit là. Pour pouvoir aller à la pharmacie pour Taylor. Infirmerie. Oui, quelque chose ne va pas, monsieur. Mais non! Ah! Oh le con! Il m'a fait flipper! Je me demandais ce que c'était. Mais quel idiot! Il est déjà là, l'alien? Oh! Et j'ai pas de souvenir qu'il était là, normalement! C'est-à-dire que je dois faire gaffe au robot plus ce saloperie d'alien. Oh non. Non mais là ça va, je vais stresser, là c'est mort, il m'a fait flipper.
possible. Il est parti. Mais il m'a fait flipper cet idiot. Oh non. Oui je sais, je me promène. Là, si en plus Alien sort, je suis mal. Hein. Je vous le dis. Si si, je cours. Oh les... Ah bah oui, ils sont tous sur moi là. Bah oui. Ah mais non. Qu'est-ce que je fasse contre eux là? Je suis pas assez équipé pour l'instant. Heureusement que j'avais sauvegardé. Mais il y a l'alien en plus quoi, mais qu'est-ce qu'il fait là dès maintenant? L'émetteur de son ça me servira pas à grand chose, mais je peux essayer de les distraire. On va essayer. Oh merde! Ça part mon dieu où je voulais. Est-ce que la ligne va sortir? Pas du tout au bon endroit. C'est la panique les gars. Ah ils sont tous là aussi. C'est là. Mais non mais c'est où? Ah si c'est par là, c'est bon. C'est le début, c'est où je suis arrivé. Enfin, de transit c'est par là. Remarque, mon détecteur de son, enfin pas le détecteur, mais l'émetteur de son, du coup ça les a peut-être attirés au même endroit. C'est pas plus mal. Putain, mais l'alien qui sort du conduit, quoi, la surprise, quoi. Il m'a fait flipper. Quel idiot cet alien. Bon, on va encore être ensemble un petit moment, on va dire une vingtaine de minutes encore. On va faire une heure et quart de stream presque, pas mal. Cette deuxième partie. Encore une bonne petite demi-heure presque. Allez, le chargement, il me fait peur. Hein. Merci. Ah oui, je reviens là. Est-ce que... Est-ce que le copain, il est là? Là ah. Bah, il m'a tué. Mais il m'a tué. Mais non. Quoi ce chargement là? Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait le jeu là?
Normalement, je suis censé recommencer à la sortie de l'ascenseur. Attends, 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 attends. Ah non, je suis obligé de recommencer là, t'es sérieux? Mais non. Oh, abusé. Et en plus, je me tape un chargement de fou, quoi. Super. Ouais, c'est ça, mon dessin d'hystérie. Je sais plus où je vais. Mais ouvre-toi! Il suffit qu'en plus je tombe sur l'alien dans le conduit. C'est où? Je suis revenu au début. Oh! Mais c'est affreux cet alien, qu'est-ce qu'il fout là? Deux fois qu'il me prend par surprise! Je vais pas galérer ici. Il y a la baffe, oh, il y a l'alien. Ok, il m'a repéré. Allez. Non! Mais c'est pas possible! Ce niveau de l'enfer! Bon, vous savez quoi? On va faire plus simple. Si, tout va bien.
percute. C'est bon, j'y suis. Oui, c'est bien, c'est une violation, oui. Bon. On va essayer de pas se faire avoir par ce synthétique de malheur qui m'a chopé le pied. Parce que je l'avais pas vu. Et on va chercher la sauvegarde dehors, une sauvegarde dans le coin, là. C'est pour ça que tout à l'heure il y a un long chargement en fait, c'est à cause de ça, on change de zone, punaise. Affreux chargement. Allez, on va plus se faire avoir. Oh là. Ah, j'avais oublié que les chargements étaient affreux comme ça, franchement. Tu perds du temps. Merci, alors. Ici, on va essayer de pas se faire zigouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ennemi? C'est la question que je me pose. L'alien. Oh punaise, il y a l'alien. Est-ce que j'ai le plan? Il y a une sauvegarde ici. Faut que je repasse en haut. J'arrive au transit en fait. Faut que je reparte au début quoi. Une save ici. Elle est où? Là. Ah, oh, on fera plus les chargements et les synthétiques. Oh là, ça m'a saoulé. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exo. Quoi? Deux points? Tous ces points. C'est par où? Je me cache. Oh, joli casier, photo de famille. Des bruits de fou. Les marshals coloniaux recevront des rapports de tout l'appui du système de passagers en état de psychopathe. Ah! Je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Derrière.
c'est bon. Ouf. On va encore avoir un chargement, t'es sérieux? Cela, on va rigoler en plus là. Cela, normalement, on arrive sur la vraie track avec l'alien. Donc, passage de l'infirmerie est infect. Après c'est le but, hein, mais stressant comme tout. Allons-y. Vraiment, il y a une cinématique, non? Ah, c'est là. Faut qu'on en prenne un deuxième. Station dessert la galerie marchande Solomons, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. Oh, faut que j'en prenne un autre. Oh, t'es sérieux? T'as rien pour me gâcher là? Non, j'ai rien pour me cacher. Tomber dessus, j'ai rien à comprendre. C'est quand tu veux. Encore un chargement de fou. Au secours. Dépêche. Navette à destination de la tour Saint-Mel de Sébastopol. Eh ben on passe notre temps sur les chargements, cette moitié de vidéo, c'est pas mal. C'est affreux. Oh le point noir, le gros point noir du jeu là aussi. Des chargements interminables. Allez. Merci. Autant nous auprès de Samuel, c'était l'or. Ça doit... Et voilà. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Ripley? C'est toi, Ripley? Reposez-vous. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur. Et si la créature nous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Merci Apollo. Transit. Attendez, y a pas une save là? Ah parce que me retaper tous les chargements, ça va me saouler. Aux autres voyageurs, emportez vos déchets avec vous. Merci. Restez avec moi. Ripley va aller chercher ça. Alors. Il y a le plan, on va le prendre quand même.
par là. Vous là-bas, vous avez besoin de quoi? Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous entends pas, attendez. Ah, montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Parfait. C'est là qu'on va rigoler. Ah, encore un chargement. Punaise. Il y en a combien ? Oh là là, c'est pas possible ça. Allez, on va faire mumuse avec l'alien là. Allons-y. Déjà, est-ce qu'il y a du matos? Parce que si je fais mumuse, il va me falloir de quoi crafter là. Y'a rien. T'es sérieux? Je veux du craft, les gars. Mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Je peux pas m'ouvrir? Qu'est-ce qu'il me fait? Si, normalement, il m'ouvre. Non, ah non, faut que j'aille chercher la... Par là ? Doucement, je vais fermer le conduit derrière vous. C'est juste au cas où. Vous vous souvenez pas qu'on passait par là, en mode normal ? Mais sérieux ? Normalement, il ouvrait la porte direct, elle était ouverte. Ah non, c'était ça, non, en effet. Non, c'est vrai. Non, non, j'ai une bêtise. Alors, normalement, c'est là-bas. Là, c'est un autre ascenseur. Voilà, c'est une autre zone. Ok. Me repère, c'est bon. On va prendre le plan. On n'est pas vraiment sous notre meilleur jour. Je vois. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. Ça n'a pas l'effet de la vitre. Comment ça, vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Lingard devaient sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Super. C'est quoi, Camelot? Ah, je veux pas de la Camelot. Faut des trucs intéressants, les mecs. Y'a plus rien. Ah, zut. On va affronter l'alien comme ça, bon, on a pas peur. Allez. On y va. Allez. Faut qu'on travaille en équipe, vous pensez pas? On vous gagne tous les deux. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables, ceux qui souffraient de troubles d'adaptation à l'espace lointain. Ouais, les cas tragiques. Vous tracassez. Non, non, mauvaise route. Oui, je sais, je sais. Je fouille. Attends, déjà, il y a une save. Déjà, je la prends. Parce que les chargements, hein, à la casquette. Ça, je me souviens ce passage, hein, pour l'avoir fait refait des milliers de fois maintenant. Hein. Une épaisse combinaison spatiale s'offre à vous. Vous la mettez. Je pensais que cet endroit était tellement prometteur quand je m'y suis installé. Ah, comme crainte, moi. Alléluia. On va se soigner. Vous êtes seul, mais vous êtes en sécurité. Ce sera de mieux que rien. On a un peu de soin. C'est ça. C'est dans ce couloir.
Ouais, je sais, je sais. Là, je peux pas, il faut une carte. Voilà. Vous y êtes, c'est le bureau de Morlaix. Le code d'accès devrait être quelque part. Salut Bobby, tu vas bien? Oh, je peux le bouger, regardez. Ouais, Bobby. Ah, je te fais. Ah, oh, je lui ai fait perdre la tête. Magnifique. Adore et Camelot, hop là. Alors, on récupère le code. C'est quoi le code? 1702. Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix l'a gardée toujours sur lui. Trouvez-le. Ah. Faut trouver Morlaix. Attention, Morlaix moi. Violation de la quarantaine du centre médical détecté. Attention. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Merde. Le v'là, ça y est. Enfin pleurer. C'est parti. Et là c'est le passage compliqué en plus. Alors ok, tu vas te faire très attention. On essaye. Bizarre, il est où? Me cache. Alors sachant que l'alien il se déplace au sol dans les conduits et il peut également fouiller, c'est-à-dire il peut se baisser, se pencher et fouiller sous les placards, les casiers, sous les lits et tout. Hein. Ok, on dirait qu'il est occupé. Non! Non! Oh putain, j'ai entendu arriver! Punaise! Qu'est con! Fais stresser cet idiot! Pourquoi j'ai plus de quoi créer mon soin là? Loin des rythmes terriens, du lever et du coucher du soleil, l'esprit a tendance à s'égarer. Des cas tragiques. Mais Morlaix a perdu beaucoup trop de temps à être à leur petit soin. Il n'aurait jamais fait ça. C'est dans ce couloir. Punaise. C'est 1702. Vous avez trouvé le code? Écoutez, on va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morlaix la garde toujours sur lui. Trouvez-le. Détendez-vous, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. En attendant, restez concentrés sur la recherche de la carte d'accès. Pierre, je lui lancerai un émetteur de son.
Oh là là. Ah, il se déplace comme il veut, hein, je vous ai dit. Hein. Il est là. J'ai fait le tour. Il est là, punaise. Ne me vois pas. S'il te plaît. Musique qui fait stresser en plus. Le lit est mon meilleur ami. Chance il a pas fouillé sous le lit. Fais pas demi-tour. Oh là là, remonte dans tes conduits. Arrêtez de bouger. Je le capte plus. Ah putain, il est parti dans les conduits. Comme s'il pourrait apparaître n'importe où. Oh punaise, il est là. Alors je lui balance un émetteur de son par là. Hein. Ah, punaise, il m'a fait peur. Non, non. Essayer l'émetteur de son, j'ai peur de me faire choper. Hein. Franchement, grave. Il est où? Faut qu'il soit où il faut. Ceci est pas au bon endroit. Oh putain, il est à gauche maintenant. Oh là là, mais arrête de bouger! Il fait que de se promener! En face. Que je tente. Il fait flipper cet idiot maintenant. Ça, pour l'instant, on l'a un peu piégé.
Pas pour longtemps. Qu'est-ce que je peux créer? Oh, il est là! Oh, le salaud! Hop! En arrière, vite. Il y a un bouton pour retenir sa respiration, je sais plus quel c'est. Oh non, dégage. Non, n'ouvre pas le casier! Il va venir, il va venir. Intérieur, pas trop me faire voir et ni faire trop de bruit. Proche. Allez derrière. Il se casse. 0,75, 0,76, il casse. Oh, il revient. Mon casier. Mon meilleur ami. 0,60, il casse, c'est bon. Là, c'est bon, là. 0,91, c'est bon. Oh putain, il est où? À gauche. Faut que je passe par là, je crois que j'ai une bombe tuyau en plan quelque part. C'est ça. Ah, oh, bombe tuyau. Attendez, on va se baisser. Oh, je peux pas la créer, c'est... ça bouffe trop de trucs, la bombe tuyau. Après, on peut avoir des plans version 2. C'est-à-dire qu'on va prendre moins de... matériel. On va peut-être prendre les fumigènes pour le guider à un moment s'il m'embête. On va balancer un fumigène quelque part. C'est pas auditif mais c'est visible. Il est où? Il arrive. Ne viens pas. Il vient. Putain, il est parti à droite encore. Je veux aller à droite, moi. Je ne pas de voir s'il y a du matos. Il y a vraiment rien là, tu rigoles. Et une save. Parfait. Déjà on sauvegarde là. Il est dans les conduits. Il est dans les conduits. Rien là non plus. Que de la camelote. Vite, vite, vite. Sur la droite. Il arrive 0,5. Casse, c'est bon, il y en a eu conduit. On y va, on y va, on y va. On perd pas de temps.
Bon, c'est pas ici. Ah non, faut que je trouve les salles de où il travaillait Morlaix. Ah non, j'ai oublié de prendre l'info. Je suis mal. Il est là. Oh la chance. J'ai pas besoin de prendre le truc. Moi je veux fouiller moi. C'est bon, j'ai pas eu besoin. Là il y a un truc à fouiller en plus. Trop gourmand. Heureusement qu'on peut pas jouer avec des BPM. Si j'avais un truc cardiaque, je peux vous dire qu'à l'écran, vous le verrez grimper en flèche. Je suis pas de nature stressée. Il est encore là, je suis à 0,44. J'ai eu la chance, j'ai trouvé la carte du deuxième coup. Non, le truc c'est de repartir en arrière, repartir au début. Et là, c'est une autre histoire. Et peux-tu partir, s'il te plaît? Il est parti. C'est des piles, je m'en fiche de tes piles. Ça va te faire très attention. C'est bon, il est encore dans les salles derrière, je vais pouvoir faire une save. C'est où, c'était là le save. Il peut fouiller, hein. Il peut se mettre à fouiller. Hein. S'il fouille sous l'étable, je suis foutu. Je veux juste vous garder pour finir la vidéo. Oui, voilà les amis, on va se laisser là-dessus pour la deuxième partie. On reprendra bien sûr avec l'alien en plein direct. Parce que c'est pas fini, il y a encore beaucoup de passages avec l'alien actuellement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo malgré les chargements. Putain, qu'est-ce qu'il y en a eu? Les synthétiques sont affreux. Franchement, faut le dire, les synthétiques c'est les pires ennemis. J'ai l'impression que c'est pire que l'alien. Oh, voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Mettez la cloche des notifications bien sûr. Et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye tout le monde et portez-vous bien.